États-Unis, de la communauté internationale et des anticliques acteurs politiques en deux pays, hein. Mais c'est pas un conseil présidentiel transition grande majorité, hein. Bien qu'on connaisse que plusieurs propositions qui sont table, hein. Avant même conseil présidentiel, 9 membres qui ont parlé de côté, CARICOM, t'es que un conseil présidentiel 3 membres qui t'es signé à travers une déclaration qui peut être date 5 mars, côté que t'es que la donne réveil national comme un gros estricti, qui est plusieurs, une centaine de partis politiques signé et en même temps tout on plusieurs milliers d'organisations qui signent un document ça ensemble avec plateforme Petit Dessalines de Jean-Charles Moïse qui ont même t'appelé proposé ça ne relé alors qui t'a dit clairement que je pour au conseil présidentiel 3 membres avec Guy Philippe Nantelli comme président, juge Durin Durin Junior comme membre et puis docteur François Saint-Ville-Villiers comme membre. Et ouais, en pile mouvement que t'as fait dernier temps ça yo, yo t'es chita, yo t'es metté accent mais sous question conseil présidentiel 3 membres et en pile monte campé, monte au créneau, monte dans la presse, fait deux mouvements, yo dit que yo pas dans conseil 9 membres CARICOM. À tel point que Jean-Charles Moïse, dans plusieurs conférences que le Tibaye, et dans toute dernière sortie vers la yo, lui même mandé peuple là pour voyager conseil ça, et parce que le dit conseil ça, lui prend coûter l'État trop dépenses parce que 9 conseillers en raison de 3 machines à yo chaque, qui prend 27 machines, faut que yo gagne une deuxième résidence, faut que yo gagne pile sécurité, sont pile dépenses qui prend venir pour l'État, alors que l'État pas gagne rien pour ça yo. En même on t'a dit que, mais non, moun qui t'a voyé représenter. Est-ce que tu as voyé représentant? Tu as une place pour Petit Dessalines et qui pas de jambe, tu as voyé moun, bien que, alors qui pas de jambe voyé moun, à me dire, bien que Jean-Charles Moïse te dit clairement que. L'ité pas avec autorité CARICOM yo, mais il pas jamais dit en détail ça que t'es dit, dans l'air qu'il t'es pas avec autorité CARICOM yo. A bien dire, c'est vrai, ou est qu'il t'a fait plus éloge autorité CARICOM yo, ou est qu'il t'a dit, mais ça n'a pas discuté, mais ça que t'es sorti. Non, 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 ça. Ça va empêcher que, un miel clair, et dans une soirée qui était mercredi 20 mars, non, en plus, mon tap kal gade, étendez, que Petit Dessalines voyait mettre Emmanuel Vertiller comme représentant Petit Dessalines dans le conseil présidentiel transition. Mais jusqu'à jeudi, qui c'est 21 mars, pas jamais de monde qui jamais entendait, ou bien à travers un texte ou à travers un autre vocal, que yota ka dit que, eh bien, mais ça, Jean-Charles Moïse dit, ou dis-moi ce que le démenti, ou dis-moi ce que ça passe. En tout cas, l'irrité pour que l'idée Petit Dessalines capable de dire avec nation, qui ça exactement dossier est. Et est-ce qu'effectivement, ça cap dit assez vrai ou pas? Nous allons regarder ça. Situation pas changée dans Pétionville, dans la capitale haïtienne, pour nous dire bien, après-midi jeudi 21 mars, en pile coup de balle chanté dans le périmètre de mars, et que même monde qui veut prendre balle, c'est encore M. Vivant Samyo qui a tenté progresser dans le périmètre de mars. J'ai te dit, hein, yo visé pour palais national, yo visé pour commissaire de Port-au-Prince et yo visé pour un ensemble de bases policiers et l'armée qui chante Maslan. Est-ce que la police, l'armée a baissé les bras? Est-ce qu'il a continué côté carré avec les armées? Nous allons regarder ça yo avec invité, hein, je dis à notre émission, hein, Desi Venesse, comment est-ce que vous connaissez vos invités? Hein? Ben, nous faisons au poste. Tant qu'aujourd'hui, la situation a toujours été très tendue. En pile panique dans la capitale pays, surtout base IDMO, l'été fait partie ensemble zone cible que Nek Vivant Samyo te gagné. En pile coup d'âme t'es tiré dans la direction côté monsieur Nek Vivant Samyo t'es entendu. T'es fait au moins 4 têtes à poutre capable à baillon attaque à cibler avec monsieur IDMO yo. Une situation qui était la cause en pile coup d'âme t'as chanté. Même Jean Oudil dans périmètre à champ de masse pour au moins dans toute zone palais national, en pile monde, t'es remarqué, c'était gros couille, pour nous être capable de rentrer la caillou. Conseil présidentiel, trois membres, Jean-Charles Guy Philippe, là, juge Durin, avec madame Villiers, t'es bien pour t'es installé. Dans journée vendredi, et eh bien, malheureusement, c'est tendé, ensemble, monde, ça a tendé, Blaise Peterson, que Moïse Jean-Charles l'échappé, la joigne et conseil coulève cette tête Jean Moïse Jean-Charles te connait traité l'IA conseil créé présidentiel là dans CARICOM un coup qui baille en pile qu'est cassé avec ensemble militants et acteurs qui te fait confiance avec Moïse Jean-Charles sans doute en pile qui déjà dit bayo yon kounando et moun yo dans tout dernier moment yo yo pa pran temps pour yo comparer niveau complaisance et ancien sénateur noir Moïse Jean-Charles ak tiwri yo fait quoi moun sa yo pas différent des modèles tempérament ak façon que yo agi et bien et cédé à boulotio qualifié dans ça qui vient pour avec dossier politique n'importe là yo capable switch dans ça qui a passé journée jodi en dedans pays à blessé personne.
n'a fait yon petit rappel des positions que Moïse Jean-Charles te gagné à travers un tweet qu'elle a fait sous question et force multinationale qui t'a déployé dans le pays. Nous accueillons décision haute cour justice Kenya avec satisfaction. C'est une victoire pour Haïtiens qui campaient en face présence force étrangère et sous terre liberté. Une victoire diplomatique, géopolitique, bien l'autre victoire dans route toujours. Force légale nous yo, gen capacité pour combattre insécurité a, c'est volonté qui pa gagne. C'était déclaration Moïse Jean-Charles de fait 28 janvier 2024 là pour Kounia. Sans doute Moïse Jean-Charles a les têtes baissées pour la jeune monsieur dame Karekom yo dans question vini mission multinationale là en dedans pays a. Responsable bureau avocat international yo, nous voulons parler de maître Mario Joseph qui parlait avec la presse dans journée mercredi 20 mars là. Li déclaré c'est États-Unis qui cachait derrière Karekom à conseil présidentiel qui gagne cette tête là pour continuer plonger pays a dans problème et rendre pays a invivable. Li fait quoi que d'accord avec accord qui te gagne Moïse Jean-Charles à Guy Philippe là. Malheureusement Moïse Jean-Charles tu la colle pas qu'on est ensemble de Mounio, est-ce qu'il a toujours été pour mener combat qui permettre que Haïti soit dans sa lia? Est-ce que conseil présidentiel là tant qu'il t'a annoncé vous t'a annoncé vous t'est installé pendant journée, est-ce qu'il a toujours installé? Ça a été comme plus grosse question, on peut regarder avec invité à comment le comprendre niveau pion ça va cap déplacer parce que chaque fois nèg déplacer yo dit politique c'est ligne brisée, yo dit politique c'est gêne intérêt et sans doute Moïse Jean-Charles pral dire moun qui a parlé yo pas comprendre et phénomène qui a passé en dedans pays d'Haïti là. C'est phénomène géopolitique, nous pas comprendre ni en nous retenant pour nous accuser ça pral côté les Peterson parce que son bataille diplomatique qu'a fait dans pays d'Haïti je dis qui l'a de tout non problème nous pas connait qui c'est que haïtien doit adresser. On l'autre fois nous saluons tous les amis internautes qui branchent tout partout dans quatre coins cardinaux la terre, nous souhaitons liker, commenter, abonner, sous faire cliquer sur channel là, invitez amour avec famille, d'une jeune mais ça nouvelle, les infos pas une nouvelle avec votre canal basse et toute votre plateforme qui connecte ça nous. Et lui, c'est Jean Chenet, comment est-ce qu'il est frère? Blaise, mon cher, nous va en forme parce que le pays va très mal. Mais quand même, qui t'aime saluer très fort, moi, saluer Désir, qui se tombe le rallye là. Moi, saluer Fidèle, auditoire qu'on gagne internautio. Quand que j'en désire tout mandé yo nous dire pour yo partager commenter like émission ça parce que nous pral parler de en pile lobe là en pile cause pral parler et que nous dit moun yo et bonne écoute et que nous pral parler de actualité pays en grand monde. Premièrement, on a regardé des questions qui pour avec le conseil présidentiel et on dit bien qu'à parler de côté autorité CARICOM. Nous même à travers le mouvement point final, Ulysse Jean Chenet. Et d'abord, qui première réaction sur ça dans la question conseil, ça qu'a parlé en là? Et comme on voit, ensemble de acteurs qui vont représenter là tout d'abord. Qui position réaction sur la question conseil ça? Et comme on voit d'abord? Non, nous faisons un pile réaction déjà. Le conseil présidentiel de sept membres par rapport à la réalité sociale, politique et économique d'Haïti actuellement n'est pas de mise. Le pourquoi? Quand vous allez avoir un conseil électoral, un conseil présidentiel, je m'excuse, de sept membres, cela veut dire quoi? Vous allez avoir sept bureaux présidentiels, sept cabinets présidentiels, sept bureaux première dame, sept cortèges présidentiels, sept qualités l'autre bagarre en termes d'avantages incitatifs. Maintenant, l'une des crises majeures que nous connaissons actuellement dans le pays, c'est une crise économique à nul autre pareil. Parce que le pays connaît environ 6 années consécutives de récession économique. Cela veut dire quoi? Pour un pays de petite économie comme Haïti, 5 ans ou bien 6 ans de récession économique, il déjà veut dire que nous sommes en face d'un effondrement économique pour le pays. Meilleur bagage qu'on fait actuellement, c'est mettre en place un système d'austérité économique, c'est-à-dire pour éviter gaspillage ressources économiques que l'État gagne actuellement. Mais maintenant,
quand vous allez avoir un conseil présidentiel de 7 membres, c'est-à-dire c'est déjà une structure budgétivore. Mm-hmm. C'est-à-dire que le plan économique, ça n'est pas adapté à la réalité économique du pays. Maintenant, au regard de la crise politique que nous connaissons actuellement dans le pays, lorsque vous allez avoir 7 conseillers présidentiels issus de 7 horizons différents, cela veut dire quoi? On va avoir un système dysfonctionnel, un système conflictuel, parce que l'opéral prend PHTK, ou mettez en face Lavalas, c'est l'obéi. L'opéral prend Montana, ou mettez en face équipe Jovenel, c'est l'obéi. L'opéral prend l'autre entité qui pague l'habitude de travailler ensemble, c'est l'obéi. Et au regard de la Constitution, le Conseil présidentiel est inconstitutionnel. Pas de aucun élément dans la Constitution, hein, que ce soit la Constitution 29-87 amendée ou non amendée, qui n'a aucune référence légale qui est capable de faire ou même penser ou même rêver mettre un Conseil présidentiel. C'est-à-dire, au regard de tous ces éléments-là, et c'est une extrapolation de la crise haïtienne, là où prend un conseil présidentiel pour mettre en place. Mm-hmm. Et quand même, on a l'affaire à bien propre. Mm. Ça veut dire là pour nous-mêmes, c'est pas un conseil qui prend au bénéfice des haïtiens, hein, mais c'est plutôt un conseil qui a au bénéfice de ensemble de entités qui vont représenter en haut là. Et même Darabadi, c'est un conseil qui prend au bénéfice de la communauté internationale. On a dit mais CARICOM et corps groupe BINU et Mgababdi, les pays occidentaux qui campaient derrière ça. Exactement. C'est seul monde qui a intérêt dans ça qu'a fait dans c'est l'Occident. Même parti politique ou bien entité qui voyait moun yo, yo pa gen ken intérêt. Bon bral tout yo Blaise. Mm-hmm. Ablié que un an ou bien environ 18 mois de cela, communauté internationale là, gon série de décisions que y a prend contre une série de grands acteurs politiques qui de connivence ou bien qui impliqué dans la question insécurité en dans le pays. Mm-hmm. Monsieur Yosante ratiboisé un paquet de gros acteurs politiques avec décision ça yo parmi eux nous capable citer on est quand qu'on joue la torture ou qui manquait bataille en pile on est quand Lambert ou paquet d'autres acteurs. Mm-hmm. Mais maintenant le conseil présidentiel la communauté internationale a mis sous pied pour détruire la politique là. Tout élément, tout parti politique qui voyait moun en dedans conseil ça yo, c'était quoi blesse, tout parti politique ça va craser. Ne pas exister encore et d'ailleurs, il y a deux conditions majeures que et communauté internationale la mettait en place pour d'accord pour faire partie du conseil présidentiel là. Un, faut qu'on d'accord force multinationale la rentrer dans pays. Deuxième bagarre là, ou pas gagne nul droit pour contester résultat électoral ça venir. Ça veut dire que son élection bouille vidée, que blanc pral baou et que ou pral fenek sa ou valil, qu'on le veut ou non. C'est-à-dire, parti politique, qui prend vite, voye moun dans le conseil présidentiel, ça, yo tout pral éliminer ce cité politique là. C'est grave. Non, mais quand même, yo qui doit éliminer de façon visible par rapport avec comme c'est là, dit la valasse, voye moun, baga sa, mais yo qui doit pral répartir sur l'autre forme encore, bah, m'gonne. Mais ta l'air, ou dit que, et on regarde alors ensemble de critiques qu'a voyé de représentants là et Jean Chenet ça montre que comme si c'est pas des gens qui sortent dans de même appartenance même chapeau politique mais que des gens qui allaient plus loin yo regarder l'autre majorité monde qui va faire partie conseil là yo presque gain même racine qui sortent même côté c'est comme quand t'as dit toute la valasse même les jeudi gain ou t'as dit PHTK était journaliste mais regarder racine originio c'est comme si même bagaille yo c'est la valasse ça veut dire c'est la valasse qui va faire partie conseil ça il va gagner la dérange. Soit dit avec mon qui ou elle conseille. C'est presque faux. C'est tout à fait normal. Après 86, mouvance politique qui drainait plus étonnant. C'était mouvement Lavalasse. C'est pas étonnant. Tout parti. Même PHTK a gon brèche dans Lavalasse là-dedans, lui-même.
Son paquet nèg dissident Lavalas après premier coup d'état, après deuxième coup d'état qui quitte Lavalas, qui allait rejoindre Matéli qui montait bagay et PHTK. Bagala sommel ten kote liye jounen jodi an, kon le ver ou non, quel que soit, an ou pran, de pou recoupe yon paket structure politique, apre yo gen racine, Lavalas. Parce que mouvant, Lavalas ke nan, li pa vle di fami Lavalas, non? Moun yo pe de kon fond bagay sa, lò pran on de kako Edgar Leblanc fi. Li nan mouvant, Lavalas ke nan, men pa vle di ke nan fami Lavalas. Ou kompren? Parce que mouvant, Lavalas ke nan, li pa pou Aristide. Aristide te rale yo rale se konakom e ban pati sa yo ki vini avec mouvement et puis après sa yo vini pran Aristide comme un leader charismatique et ki te gon aura nan l'église yo vini mette l'andan comme chef de file et l'el rive pou tout nek sa yo de yo pran mouvement. Mais maintenant son wè kap fèt lan c'est éclatement social la même que blanc pral provoke la lo pran équipe nek sa yo. Yo tout gagné vision pour yo prendre pouvoir dans de mauvaises conditions ou bien dans n'importe quelle condition ou mettez yo ensemble en bas un gros hangar qui aurait le palais national qui t'écrasé depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui qui pour même reconstruire son côté ou capable prendre quelque bagage ou garder cabrit et qu'on va mettre yo tout aligné dans des bureaux inconfortables et que on va parler de pays avec Nectario vous allez voir Blaise qui vivra verra. En avance, désir. Très bien. Jean Chesnais, situation pays a connu là, la prend l'autre dimension. Et il y a une pile d'euphorie qui crée dans le mouvement qui est là. Et pendant que CARICOM, département d'État ou bien l'Occident, il y a un conseil 7 têtes. Il y aurait le coup de 7 têtes, il y aurait le conseil CREI. Et il y a diverses structures politiques dans le pays qui montrent des accords avec l'opposition. Ça. Et gain tout qui allait là-dedans. Selon vous, soit c'est d'autre balancer entre les deux. Comment ouais groupe monde qui allait et comment ouais groupe monde qui pas d'accord et fait compromis avec conseil présidentiel cette tête carré comme là. Très bien. Ça c'est une très bonne question. Et bien bras jour là, on va connaître une dit là émission ça déjà. Nous sommes en face de deux courants politiques actuellement dans le pays. Il y a un courant impérialiste supporté par l'Occident ou bien pro-Occident et un courant nationaliste. Le courant du Conseil présidentiel, c'est le courant impérialiste ou bien le courant occidental. Et le courant qui vise la Cour de cassation, c'est le courant nationaliste. Ça, c'est un combat extrêmement important et intelligent qu'a mené là. Oubliez que, depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est à Kimbe, l'Occident à Kimbe, Ariel, pour faire 3 ans, non? Mais il n'y a pas joué un interlocuteur valable qui est capable de prendre intérêt. Eh bien, je ne le dis, comme étant donné qu'il n'y a pas un interlocuteur valable qui est capable de prendre intérêt, au lieu pour prendre risque, dans un seul monde, eh bien, il y a joué Zel Kachowa sous plusieurs mondes. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi de créer un présidentiel, ça qu'ils ont mis sous pied. Maintenant, on n'a pas quelques gros acteurs politiques dit non. Et conseil présidentiel de 7 membres-là, c'est un projet de la classe politique haïtienne. Moi, je dis non. Je connais bien propre, c'est pas vrai. Le pouvoir, dans le projet cadre de résolution, de la CARICOM en novembre 2023, la CARICOM a déjà proposé un conseil présidentiel de 7 membres avec un organe de contrôle et un conseil national de sécurité. À tel point, nous autres, au niveau du mouvement Point Final, nous avons dénoncé cette proposition. Seul point nous avons réservé pour lui, c'était le point Conseil national de sécurité que nous avons admis que c'était une bonne chose. C'est-à-dire, le projet de conseil présidentiel de 7 membres, c'était un projet fondamentalement de la communauté internationale. Oulaï,
Très bien. Ok, très bien, Élise Jean-Chenet. Je veux dire, on essaie de regarder. Tu as gagné un groupe, nous avons dit une structure politique qui est le réveil national, qui fait un seul avec Petite Dessalines, qui draine un paquet l'autre organisation et structure politique. Dans ce qui est pour avec signature, une pétition qui vient déboucher sur une déclaration, une proposition sortie crise qui te mette campé, un conseil présidentiel à trois membres. Nous avons dit dans tout dernier moment, dans le discours, qui draine la population haïtienne. Non, parce que il y a Guy Philippe Ladan, qui a Moïse Jean-Charles. Je dis à Moïse Jean-Charles, tu la colle. Qui j'en comprends façon et manière que Moïse Jean-Charles lit tout la colle pour aller dans le conseil présidentiel, créer cette tête et que CARICOM sans doute promote avec ensemble des nota bene, ensemble des critères pour le monde qui a fait partie du conseil présidentiel. Ça, sans doute, en pile, nous connaissons qui pas refléter avec modèle réalité ou bien modèle discours que Moïse Jean-Charles gagne. Eh bien, et comme étant donné. Guy Philippe est en prison. L'on en prison ou toujours souffrir de troubles psycho et somatiques. Peut-être sacrifié Guy Philippe. Moïse Jean-Charles, ce dernier politicien, pour prendre un signe accord avec elle. Monsieur, toujours bon dernier coup pour le baou. Moïse Jean-Charles, c'est un type intelligent. Ni tu n'y pas remarqué, lorsque Guy Philippe sorti dans la prison, il est venu avec et question révolution. Il y a un pile monde qui adhéré avec question révolution, malgré nous-mêmes, en dans mouvement final. Ce n'est pas une révolution, nous n'est pas important, parce que révolution, vous dit, ça veut dire. Les leaders petit de Saline, nan, ouais, que. Il y a un pile monde qui adhère avec le mouvement Guy Philippe Blanc. Monsieur Sonnet qui remet foule tout. Et que lui pas voulu Guy Philippe prend le dessus. Monsieur a rejoint Guy Philippe. Et monsieur, au cours de Guy Philippe m'a dit, l'esprit ou bien loi dans Jérémie, merci beaucoup. C'est qu'on est là. Et Moïse Jean-Charles Balcouan, s'il t'étonne plus tard encore, il était plus fatal encore pour Guy Philippe. Monsieur Pagé a qu'un intérêt qu'elle disait que la prise du pouvoir, son malade pouvoir, que Moïse Jean-Charlier. Ça vient faire que son welfare là, c'est pas un bagage parce que lui, ouais, dans la vision de Philippe Lannon, il a juste besoin. Présenter conseil présidentiel à trois membres, qu'elle te baille et juge. Et c'est Villiers, pas vrai, et Blaise Peterson. Non, c'est soit que ou pas dans le conseil présidentiel et que ou démontrez pas A plus B, mais pour qui ça que ou pas dans le conseil présidentiel parce que il n'est pas constitutionnel, il n'est pas institutionnel, il est raciste, il est exclusiviste, il n'y a pas de défaut ou bien ou aller dans le cours de cassation. Mais ce n'est pas ça, moi, Jean-Charles, lui-même, qui fait. Il dit que il n'est pas dans le conseil présidentiel de sept membres-là, lui-même, il est dans le conseil présidentiel de trois membres qu'il gagne, qui gagne Guy Philippe. Il gagne François Saint-Villiers qui gagne et l'autre membre dans la donne. Mais c'est un non-sens. Ça veut dire que c'est incohérent de la part de monsieur, selon même. Exactement. Ça veut dire que son nec, c'est intérêt par là seulement que le visé. Et puis c'est ça fait nec pour ça. C'est dernier monde pour ça le prendre chance. C'est un accord politique avec elle. Monsieur, là où elle présente le conseil présidentiel de trois membres, monsieur, tout 11h minuit, nous sommes dans réunion avec le groupe et Congrès national Wana maintenant. Nous faisons reconnaître que nous sommes d'accord pour la cassation. Oui? Et puis là, tout le monde lève le matin à 5h du matin. Allez, elle fait du temps, elle n'a pas dormi. La veille à 5h du matin hein, pour la monter sur le Grand Boulevard pour déclarer que mais qui est le conseil.
présidentielle de toi, mort. C'est un fou. Ça veut dire. Ça veut dire, dans la soirée, monsieur, dans la réunion avec mon congrès et voilà maintenant, et pour le dire qu'il est d'accord avec question et coup de cassation, mais dans le même matin, ça veut dire, là, quelques heures après, monsieur va l'annoncer quelques conseils de toi, mort. Mais qu'il y a ça, nous dit non. Devant Dieu. Non, nous dit, c'est un fou. Parce que bagala li vin quand on choque, nous pas capable quoi dans déclaration nous vin freeze. Nous freeze comme les acteurs politiques que nous y nous réfléchir et puis nous convoquons réunion à l'extraordinaire et que nous conclut certains fous, certains malades politiques et que qui par contre ça que la défendre c'est un politicien droite et gauche. Est-ce que ou ce que par contre ça la défendre ou dis-moi est-ce que c'est nous pas connait c'est la défendre. Mais c'est ça l'app défend là. L'app défend tout intérêt sauf intérêt peuple. Ah bon. Et l'app défend intérêt personnel et intérêt groupal comme c'est ça le toujours fait. Il toujours prend position pas dans le pouvoir et pourtant toujours gagne mon lit qui représente dans le pouvoir. Mais c'est ça que l'app défend. Un leader de gauche, c'est un leader populaire qui toujours app défend et tout ça qui a rapport avec société et avec peuple. Eh bien, qu'il dit clairement, c'est un impérialiste lié, il n'a pas besoin de jouer les Américains tout le temps. Il toujours prendre non là où il mettait devant, il toujours prendre non Hugo Chavez, il mettait devant, il toujours prendre non Castro, il mettait devant, et pourtant c'est intérêt par la défense, il n'est pas capable d'utiliser non Mounio comme ça, pourtant son impérialiste lié, eh bien, et moi Jean-Charles, je veux dire, il est tout tourné, il est inscrit et en ligne droite dans la poubelle de l'histoire. Très bien. Mais Kounia, qui ça dit nous-mêmes? Le on nom ta comme Jean Charles li chou la colle li retire colle bo côté chaise qui était collé avec Guy Philippe Lan qui peut-être te fait un poids dans modèle bataille qui t'a mené en dedans pays a. Et sans doute ça fait non date qui t'a pas paraître historique parce que matin vendredi c'est à disposition pour t'installer conseil présidentiel que Moïse te collé tête ensemble avec Revella et Guy Philippe pour te mettre campé a. Ça ça dit nous même comme militants. Non, pas comme militant, comme responsable. Attendez. Eh bien, dans un sens, les bons pour nous, terrain a déblayé tête li de par lui-même. Il y avait, depuis quelques semaines là, trois propositions qui étaient sous table. Il y a les gens qui réclament la Cour de cassation. Il y a des gens qui sont adhérés au conseil présidentiel de cette membre, il y a l'équipe de Guy Philippe et de Moïse Jean-Charles qui te gagne conseil présidentiel de trois membres blancs. Automatiquement, et conseil présidentiel de trois membres blancs lui tombé, vignerait deux acteurs et deux propositions qui souterraines. Soit que on admette ou aller en cour de cassation que nous relève le courant nationaliste, soit que on aller dans le conseil présidentiel là que nous relève le courant impérialiste. Qu'on y la bataille à vigne claire, qu'on y la souterraine. C'est une bataille blanc contre les nationaux. Selon vous confirmez, dans ce que vous avancez là, vous devez comprendre que le conseil présidentiel, trois membres blancs, il n'est pas existé encore à cause de Jean-Charles qui est école. Il n'est pas existé encore, au contraire. Bon, on prend un risque, moi, Nous prenons une rencontre après-midi avec Guy Philippe.